les manuscrits ou la beauté du savoir. Le parchemin fut le premier support des courants maghrébins dans une petite page, copié dans une écriture qui se différencia. Dès le 4e siècle de l'Égypte, 9e siècle du style utilisé en Orient par un arrondissement des courbes. Le papier dont la technique avait été importée de Chine était présent dans le monde arabo-musulman dès le 8e siècle. Le papier était utilisé pour les livres d'usage courant. La civilisation marocaine est une civilisation du signe. Le signe est pour le Marocain une expression esthétique spirituelle. Son support, le bois, la bronze et la peau. Le tatouage, c'est un mode d'expression du corps. Il porte trace d'une culture qui s'imprime sur le corps et rend la peau médiatrice entre l'intérieur et l'extérieur de la personne tatouée. Lorsque des objets sont décorés par les mêmes dessins que ceux des tatouages, ils s'établissent entre le corps et l'objet. Une symbiose exceptionnelle. Chacune de ces figures géométriques porte un nom. Exemple, le losange et le point et le hubba. La localisation du tatouage est très variable selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Le tatouage est un signe d'appartenance à un groupe social. Il est à la fois charme et parure au même titre que le maquillage. Il a également un pouvoir magique et une signification mystique. Les symboles. Toute société a ses symboles qui sont des reflets des angoisses, des joies et des désirs, enfouis dans l'inconscient de ses hommes. À travers eux, ils cherchent à maîtriser l'avenir afin d'atteindre une réussite matérielle et psychique. Ce sont différents signes qui couvrent les différents objets de l'art traditionnel ainsi que le corps humain. Aussi, la khamsa est censée protéger du mauvais œil. Les losanges protègent contre l'adultère. L'aigle qui symboliserait la puissance. Le lézard représenterait l'âme. Deux événements ont exercé une influence décisive sur la musique au Maroc. Le premier a été pendant la période Al-Mouhad, l'arrivée des troupes arabes de Bani Hilal en provenance de Tunisie et qui permit un nouveau style de chant populaire à l'Aïta. Le deuxième a été l'infiltration des traditions musicales des peuples d'Afrique occidentale dans le sud du Maroc. Cet apport a permis l'introduction de nouvelles expressions rythmiques que l'on retrouve dans les chants des Gnaoui et des Rouaïs. Sous le règne des Almoravides et des Almohades, l'empire marocain s'étendait au nord jusqu'aux Pyrénées et à l'époque saadienne jusqu'au fleuve du Niger au sud. Ce sont là autant de facteurs qui ont contribué au façonnement de notre patrimoine musical. Toutefois, nous ne pouvons ignorer le rôle de la musique arabe, notamment des makams, des taksims et des mawals. On peut définir quatre genres musicaux, la musique andalouse, la musique ranati, le mlhoum et la musique chantée en dialecte berbère. Musique chantée en dialecte berbère. La langue berbère se divise en trois principaux dialectes, le tamazight, le tchelhis et le saïfis. Des groupes artistiques de chant et de musique ont vu le jour. Imbiazm, formation composée d'un poète ambulant qui entend des couplets et ses deux compagnons les reprennent en chœur. Le trio servait de flûte double en osier, mizmar. Une chaîne de cette formation non lucrative se compose également d'un trio, chanteur principal qui chante en solo les couplets de la chanson que ses compagnons répètent ensuite en chœur. Cette formation privilégie les thèmes à caractère religieux et politique. Ruaïs, il s'agit d'un poète qui gagne sa vie grâce à une formation musicale dont il est le chef. On peut classer les danses berbères en deux parties principales, Ahwacher et Douce.